deuxième partie du dauphin. Donc j'ai fait les 50, voilà. Vous voyez, ce sera le devant, hein, côté face. Il faudra bien voir quand il sera terminé parce que là j'ai encore. Ça, c'est la pointe. On le voit mieux comme ça. Bon. J'ai commencé à le bourrer. Donc on a fait toutes les lignes de 50. Maintenant, on va passer à 49. On va pas aller loin longtemps. Donc à 49, on va faire 29 mailles simples. Je me gourre pas, ouais, c'est ça, 29 mailles simples, donc vous comptez vos 29. On va faire une diminution et le reste en mailles simples. Je fais les 29 avec vous. Ne me dites pas, je vois pas, parce que ça sera impossible de voir plus. On fait toujours la même chose, on pique dans la maille. Chercher ces mailles. Donc moi j'ai compté les 29. On fait une diminution. Maintenant on va commencer à diminuer, ça va être plus ça va prendre forme. Vous n'êtes pas obligé de coudre à l'intérieur de la tête comme j'ai fait. Moi j'aime bien pour avoir bien le museau plat. Donc on fait 29 mailles simples, une diminution. 19 mailles serrées. Donc simple, pas serré. Ouais. Enfin, quand on dit mailles serrées dans un tuto ou mailles simples, c'est pareil. Ce que nous, on travaille là, tout ce qu'on fait, c'est des mailles serrées. Après, il faudra voir avec les yeux, mais vous voyez. Voilà. Il faut l'imaginer avec, avec les deux yeux ici. Et là, vous avez la pointe du dauphin. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Donc la plus longue, c'était la partie jusqu'à maintenant. Maintenant, ça va redescendre. Enfin, ça va redescendre. Là, ça redescend que d'un 1. Alors, on refait une ligne de 49. Mais après, quand ça redescend bien, c'est du bonheur. Ce que je sais, j'avoue, c'est très, 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 très long. Après, il faudra le voir avec tout, tout fini. Il faudra, une fois qu'il sera rembourré, une fois que ce sera fini. Donc, 29 mailles simples, 23. 29 mailles simples, c'est ça. Je me dis, bon, je vais essayer de noter. Je vais regarder comment on fait. J'ai regardé, j'ai vu, je sais qu'on peut noter. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas de France et qui voudraient bien le faire aussi. Donc, je vais essayer de noter à chaque fois les tours. Je vais regarder, je sais qu'il y a des montages vidéo pour ça. Donc, je vous promets pas, évidemment. Mais je vais essayer. Voilà. Donc je suis presque à mes 29 mailles. Simple. Voyez, voilà. Encore une et on fait une diminution. Donc pour la diminution, il y a mes autres vidéos où on voit mieux. Mais ça reste toujours la même chose. Vous prenez la maille, vous piquez et vous repartez. Voilà. Donc là, on a une diminution à faire. Pour la diminution, on pique dans la maille, ouais, on pique dans la maille et on rabat sur le crochet, ça fait 2 mailles, donc une diminution, on prend, on ramène, fini, et on refait le tour. Donc normalement, il y en a 19, si je me trompe pas, ouais. Donc
envoyer de la ligne en maille simple. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. A tout de suite. Voilà, donc on a fait notre... on a descendu à 49. Et bien maintenant, on refait un tour complet à 49. Une maille dans une maille simple. Donc, on fait tout le tour en 49. Allez, c'est parti. Bon, ben, je me dis bonne chance. Je sais que c'est long. Après, on va descendre à 48, 47... Voilà, donc une maille dans une maille, maille simple. On se retrouve au bout de la ligne. A tout de suite. Voilà, donc ben voilà. Donc on continue avec les diminutions. C'est reparti. Donc on va faire 28. Donc on va descendre à 48. De 49, on passe à 48. Donc on va faire 28 mailles simples. Une diminution et le reste en maille simple. C'est parti. 28 mailles simples. C'est la partie la plus longue, mais c'est tout est en une seule pièce. Je me suis bien creusé la tête pour arriver à ce résultat-là. Là, je refais, je recherche d'autres créations à faire. On verra bien. J'en ai d'autres en tête. Faut essayer, faut tester si ça marche. C'est bien. Ça marche pas, on en fera des autres. Du mail simple. On fait nos mails simples. La diminution et après je vous laisse finir le reste en maille simple. En fait faut, au départ faut vraiment diminuer de progressivement parce que refaire un tour, recommencer. J'avoue que celui-là, j'ai eu du mal. Il est surtout imposant au niveau volume, vous verrez vous-même. Une diminution. On fait la diminution et après vous faites tout le reste en maille simple. On n'en fait qu'une, hein, des diminutions. Le reste en maille simple. Et moi je vous retrouve à la fin de la ligne. Vous voyez, commence à prendre sa forme doucement. Voilà. Voilà. Moi je le vois, c'est en biais que je le veux, je le veux comme ça. Je vais prendre les queues qui montent. Je vous expliquerai tout ça. Donc moi j'ai fini ma diminution. Je vais faire des mailles simples et on se retrouve à la fin du rang. Et on refait une ligne de 49, 48. Donc je finis, je vous reprends au début du rang. A tout de suite.
Celles qui veulent aller plus vite, j'ai une ligne de 48 à faire en plus. Voilà, donc on se retrouve là. Donc on a fait 48 et on refait une ligne de 48. De toute façon, après ça va aller vite. On redescend à 47. On refait une ligne de 47. Celles qui veulent aller plus vite, et après on fait 46 et une ligne de 46, et après là on diminue entièrement. Donc une maille dans une maille, maille simple, toute la ligne, et on continue. Une maille dans une maille, maille simple. Quand on a fini la ligne, on refait une ligne, on redescend encore de 1. Voilà, on se retrouve à la fin de la ligne. Bon, donc voilà. Donc on a fait notre ligne de 48. On va passer à 47. Pour ça, c'est pas compliqué, c'est 30 mailles simples. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, par 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ça fait déjà 20. Donc ce sera 30 mailles simples, une diminution, et le reste, ça sera normal. Et on refait une ligne de 30, comme ça, je vous le dis tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. Voilà, donc là j'ai les 30 mailles simples, on va le faire ensemble. Une diminution et le reste. Donc c'est parti. 1, 3. Donc on fait 30 mailles simples, une diminution et 16 mailles simples, c'est ce qui va rester. Et on refait une ligne de 47. Et on se retrouve à la fin des deux tours. À tout à l'heure. Voilà, de retour. Donc on a fait nos deux lignes. Donc maintenant, on va descendre à 46 mailles. Donc pour descendre à 46 mailles, c'est 29 mailles serrées. Une diminution et après maille simple. Enfin, 29 mailles simples, mailles serrées, c'est pareil. Je m'emmêle les pinceaux parce que là il est un peu tard. Que je suis dessus depuis toute la journée. Et que perso, je commence à fatiguer. Donc on fait nos 29 mailles serrées. Ensuite, on fait une diminution. Et vous refaites toute la ligne jusqu'à la fin de la ligne. Et ensuite, on refait une ligne de 46. Et là, après, on va descendre tout le temps. C'est que du bonheur. Parce que là, les tours sont très très longs. Sérieux. Donc, on refait une ligne de 46. Et on se retrouve après, quand tout est fini. Donc, ça fera deux lignes en tout. Donc n'oubliez pas, 29 mailles serrées, mailles simples et une diminution. Et vous terminez la ligne et vous refaites une ligne. À tout à l'heure. Voilà. Nous voilà. Alors, on commence à moins voir. Donc je suis obligée de travailler comme ça. Parce que je... Donc maintenant, on va passer de 46 à 44. Pour ça, on va nous faire 24 mailles serrées. Donc 24 mailles simples. Une diminution. Ensuite, 8 mailles simples. Une diminution. Et le reste en maille normale, ce qui nous fait
d'email simple. Et on se retrouve à la fin de la ligne. Donc je répète à nouveau, parce que si je fais tout en même temps, ça ne va pas le faire. Donc, je disais, 24 mailles simples, une diminution, 8 mailles simples, une diminution et 10 mailles simples. Donc voilà, et à tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve. Donc là, il n'y a plus de place, je vous le dis tout de suite. Donc maintenant, on va le bourrer un petit peu. Moi, je protège avec mon marqueur. Alors ensuite, on va passer de 44 à 42. Pour faire ça, on a besoin de faire 24 mailles simples, une diminution, 7 mailles simples, une diminution, 9 mailles simples. Voilà, donc déjà, on va bourrer et après, on se retrouve à la fin de la ligne. On bourre au fur et à mesure, hein. Moi, voilà. Plus il devient lourd, mieux c'est. Enfin, pas trop lourd, mais faut quand même qu'il prenne sa forme. Parce que là, on va tout diminuer. Et là, perso, avec ce qu'on a déjà fait, c'est du bonheur. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on fait ce que j'ai dit. Vous avez noté. Donc, 24 mailles simples. Une diminution. 7 mailles simples. Une diminution, 9 mailles simples. Voilà. Et on se retrouve au bout de la ligne. A tout de suite. Nous revoilà. Donc maintenant, on va commencer à diminuer à 39. Donc 39. Pour diminuer à 39, ça fait 6 mailles simples. 1, 2, 3, 4, 5. 6 mailles simples, moi je fais comme ça, 6 mailles simples, une diminution. Mm-hmm. 15 mailles simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, donc il y a mes 15 mailles simples. Une diminution. 8 mailles simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 diminution. 7 mailles simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc c'est reparti, et on y va, donc 1, 2, donc on fait toute la ligne, et on se retrouve à la fin de la ligne, donc je fais juste ça, et je vous répète, je vais jusqu'à la diminution. Moi là on peut plus voir, moi, je suis désolée, mais moi je peux pas travailler autrement. Parce que vous voyez, comme vous si vous êtes en train de le faire, c'est impossible de prendre mieux. Ce qui me gêne. Donc ça plus une diminution, on fait la diminution ensemble. Voilà, et je vous explique. Je vous donne tous les chiffres exacts que je vous ai donnés au départ. Donc, pour passer à 39, il nous faut 6 mailles simples, ce qu'on a fait. Donc, il nous faut 6 mailles simples. Ouais, 6 mailles simples, une diminution. 15 mailles simples, une diminution, 8 mailles simples, une diminution et 7 mailles simples. C'est parti, let's go. A tout de suite. Nous revoilà de retour. Donc il commence à prendre forme.
Donc après, on mettra les deux yeux là. Le fait de mettre les yeux un peu au-dessus, bon, ça va tout faire. Ça va faire le visage tout de suite. Donc, pour passer, on va passer de 39, on va passer à 37. 21 mailles simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 mailles simples. Une diminution. 7 mailles simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles simples. Une diminution. 9 mailles simples. Non, non, non. Donc, 20, 21 mailles simples, une maille simple. 1, 2, 3. 20, alors, 21 mailles simples, une diminution. 7 mailles simples. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles simples, c'est ça. Je me suis paumée à la ligne du dessus. Une diminution. 6 mailles simples. 6. Et c'est pas. C'est 8. Ouais, bon. 21 mailles simples. Une diminution. 8 mailles simples. Une diminution. 6 mailles simples. Donc, et on sera à 37. À tout. Voilà. Donc on continue. On va passer de 37 à 34. Pour ça, 5 mailles simples. 1, 2, 3, 4, 5 mailles simples. Une diminution. 15 mailles simples. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 15 mailles simples. Une diminution. 4 mailles simples, 1, 2, 3, 4 mailles simples, une diminution et 7 mailles simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles simples. Et on se retrouve à la fin de la lignée. A tout de suite. Donc, me revoilà. On va passer de 34 à 32. Alors, on remet des élastiques. Donc, 32, c'est 19 mailles simples. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, 19 mailles simples. Une diminution, 7 mailles simples, 1, 2, 4, 5, 6, 5, 6, 7. Une diminution et 4 mailles simples. Une diminution et 1, 2, 3 et 4. Et on se retrouve, comme toujours, à la fin de la vidéo. Mettez pause ou alors vous prenez des notes. À tout à l'heure. Voyez, ça devient de plus en plus grand et on a du mal à gérer. Donc on va passer de 32 à 29. Pour ça, il nous faut 5 mailles simples, une diminution, 13 mailles simples, une diminution, 4 mailles simples, une diminution, 4 mailles simples. Voilà. Et on se retrouve comme toujours à la fin de...
de la ligne. Donc c'est un monstre. Ça plonge dans l'eau, c'est normal. Je pète un plomb, oui, parce que c'est depuis ce matin que je suis dessus. Et on est le soir, et voilà. Donc au bout d'un moment, ben, quand on passe ses journées, on pète les plombs. Donc je vous rejoins tout à l'heure à la fin de la ligne. Voilà, donc pour l'instant on est à 29, on va passer à 26. Pour passer à 26, on fait 6 mailles simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mailles simples. Une diminution, 9 mailles simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une diminution. 7 mailles simples, 4, 5, 6, 7, une diminution et on finit par une maille simple. Voilà, et on se retrouve à la fin de la ligne. À tout de suite.